Et à la une de l'actualité, crise des migrants, la garde côtière italienne a confirmé que plus de 55 corps ont été retrouvés dans des bateaux à la dérive en Méditerranée. 51 corps se trouvaient sur l'un d'entre ces bateaux. La découverte horrible a été faite pendant une mission de patrouille commune avec des gardes-côtes suédois. Les migrants auraient été empoisonnés par des vapeurs de gaz provenant du moteur du bateau. Plus de 2300 personnes sont mortes en mer cette année en tentant d'atteindre l'Europe, la plupart sur des bateaux surpeuplés, affrétés par des contrebandiers. Et malgré les tentatives pour arrêter le flux des migrants, beaucoup continuent à faire le voyage.